Goedenavond, FC Dender tegen AD 2-0 en wij staan hier met Kieran Felix, de maker van het prachtige eerste doelpunt van FC Dender. Kieran, félicitations, très beau but, est-ce que tu peux encore une fois le décrire? Voilà, je reçois la balle côté gauche, je fais une fin de centrée, je rentre dans la surface, puis je vois que je ne suis pas trop attaqué, donc je me décale sur la gauche et puis voilà, j'hésite pas à frapper. Hein. Ja, dus Kieran zegt dat hij dus de grote rechthoek inkomt, dat hij ziet dat hij niet wordt aangevallen. Hij doet een crochet en hij trapt de bal mooi in doel. En fait, la première mi-temps du club, du team, était très bon, comme il y a 15 jours. La deuxième mi-temps, c'était plutôt dans l'organisation, 2-0 d'avance, donc on ne pouvait pas perdre des points aujourd'hui. Oui, voilà, première mi-temps, on a eu la possession du ballon, de la maîtrise technique, puis on a marqué deux buts assez rapides. Donc après, en deuxième mi-temps, on savait qu'ils allaient venir nous chercher. Donc on n'a pas pris de risque, on a été compact et costaud, et c'était le principal. On a essayé de mettre un contre. Bon, c'est pas venu, mais le principal, c'est qu'on a eu les trois points. Ja, eerste helft was Dender technisch superieur, speelde een zeer goede eerste helft. In de tweede helft met een 2-0 voorsprong verkozen ze om die voorsprong te verdedigen, in de organisatie te blijven. Costo dus stevig in de verdediging en ja goed, de drie punten thuisgehouden, dat is wat moest gebeuren. En fait, ce qui était étonnant, tu es très offensif pour un défenseur en arrière-gauche. Est-ce que tu as un passé comme attaquant? Non, quand j'étais jeune, vraiment, vraiment jeune, quand je jouais en France, je jouais ailier gauche. Après, au fil du temps, quand j'ai reculé, et puis voilà, j'ai toujours eu un peu l'esprit offensif parce que j'ai beaucoup aimé les joueurs offensifs aussi. Donc voilà, et puis le coach il demande de monter, donc j'essaie de faire du mieux que je peux. Et puis là, j'ai eu l'occasion, donc j'en ai profité. Ja, dus de vraag was of Kieran ooit nog aanvaller geweest is. Hij zegt dat hij in der tijd bij de jeugd in Frankrijk offensieve linkerflankspeler was, maar dat hij met het verloop van de tijd teruggegaan is naar de plaats in de verdediging waar hij nu nog altijd speelt. Bon ton passé, est-ce que tu peux une fois décrire ta carrière? Tu as commencé en France naturellement, et alors quand est-ce que tu es arrivé en Belgique? Alors j'ai commencé en France, et à l'âge de 16 ans, je suis venu en Belgique, à l'Excelsior de Mouron. Puis j'ai passé 4 années, puis une montée en D1 avec l'équipe pro. Mais après, il y a eu la faillite malheureusement de l'Excelsior. Et puis je suis resté en promotion. Et puis on a connu deux montées, dont champion en D3. Et puis je suis venu, j'ai été contacté par Mons. Une saison, j'ai eu une opération, une pubalgie. Et puis j'ai pas du tout joué. Donc j'ai préféré partir parce qu'ils ne comptaient plus sur moi. Donc, et puis voilà, j'ai reculé jusqu'en division 3 pour espérer aller plus loin, de prendre de l'élan pour aller plus loin, quoi. Donc en D1, tu jouais avec Moucron, peut-être ici à Dender aussi alors? Non, j'ai pas été repris contre Dender. Je suis déjà monté 2-3 matchs contre Roulers, Lokeren, et je sais plus le troisième, mais non, pas contre Dender. Ja, Kieran zegt dus dat hij 4 jaar bij Moeskroen heeft gespeeld, onder andere in de periode toen Dender ook in eerste klasse speelde. Met Moeskroen heeft hij nooit tegen Dender gespeeld, wel tegen Lokeren en wel tegen Roeselare. Bon, voilà, tu sais ce que ça veut dire, ton nom de famille. C'est un adverbe latin. Latin? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire en espagnol, oui, mais pas... Félix, en latin, ça veut dire heureux, donc voilà, tu dois être un homme heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, parce que principal, on a pris les 3 points. J'ai mis un beau but. Donc, j'espère que, surtout, qu'on va continuer d'ici dimanche et puis pour toute la saison et faire une bonne saison, j'espère, pour nous, pour le club et pour tout le monde, quoi. Oui, parce qu'à la maison, ça va très bien. En déplacement, il faut aussi essayer de prendre des points. Ouais, faut confirmer le match d'aujourd'hui et puis débloquer cette situation à l'extérieur, quoi. Voilà, dus Kieran zegt, zijn naam Felix betekent in het Latijn gelukkig, gelukkig man. Hij is gelukkig vandaag met zijn prachtig doelpunt, met de 3 punten die thuisgehouden werden. En ze gaan nu ook proberen op verplaatsing nog een paar punten mee te sprokkelen en een goed seizoen te maken met FC Dender. Merci beaucoup, Kieran, et à la fois prochaine. Merci.